Salut Scrabby. Aujourd'hui, je suis au Fab Lab Créa encore. Ils sont en train de produire des masques en tissu. Alors là, ils font les pièces qui vont après partir pour la couture. Alors, on va aller voir ça. Allez, suivez-moi, c'est par là. Passez devant. Alors là, ils sont en train de couper des longueurs de masques. Enfin, des longueurs de tissu. Des longueurs de tissu. Qui vont après plier en plusieurs morceaux pour mettre dans la laser. Attends, c'est bon. Alors maintenant, on va aller voir la laser. Ça, vous connaissez déjà, hein, c'était comme pour les masques en PET. On va aller voir Isabelle qui va nous dire un petit peu ce qu'elle fait. Salut! Salut Isabelle! Salut! Alors, on essaie de se mettre dans la lumière. Voilà, ouais. C'est bien. Alors, vous coupez les masques en ce moment, tu nous racontes comment vous faites? Alors, on doit d'abord, on a des grands rouleaux de tissu. Ouais. On doit couper en petits morceaux, d'accord. Toujours de la même dimension, okay. et puis on les met dans la machine qui, elle, découpe une face avant, d'accord. Et puis une autre face derrière. Okay. Et quand tout ça est coupé, on envoie chez les couturières qui fabriquent les masques. Okay. Et mettent les deux pièces ensemble et puis on peut pas mettre un filtre à l'intérieur. D'accord. Alors, on va aller voir un peu les découpes. Ouais. Allez, c'est par là. Ah oui! Voilà, maintenant on est à l'atelier de couture. Et on va vous présenter cet atelier, les gens qui y travaillent, et puis comment on fait pour coudre le masque qu'on a découpé à la laser. C'est parti! Alors, suivez-moi. Alors là, par exemple, on voit les machines à coudre et les gens qui commencent à coudre. Là, on va demander à votre prénom, c'est quoi? Malika. À Malika, justement, de nous montrer comment elle fait. On va regarder la machine. Vous voyez? Super. Oh là, ça va vite. Vous en faites combien à peu près à l'heure? Il y a des 10, on fait 10 paquets. 10 masques par une petite demi-heure, quelque chose comme ça, quand la machine fonctionne bien. Ah oui. Puis, on doit les tourner, donc on les coud à l'envers, on les tourne. Et alors là, je suis en train de faire la finition. Hein. Les élastiques? Oui, les élastiques sont mis déjà, il y a une partie qui a déjà été mise, et maintenant on va faire la finition. Okay. La finition, et alors ici on laisse un petit trou, okay. Pour pouvoir mettre... un petit trou pour pouvoir mettre un filtre par après, parce que les filtres, il faut les changer tout le temps. Ah, et okay. Ce genre de masque, il faut les laver. On peut les laver, d'accord. À la main. On peut les laver à la main. Donc ici, c'est la finition. Mais ce que vous pouvez aller voir aussi chez madame, elle fait les petits faufilages. Qu'est-ce que tu fais, toi, alors? Je fais l'assemblage. Enfin, je fais d'abord les ourlets. Et puis après, on fait les assemblages. Ah, ok. C'est-à-dire la partie devant et la partie derrière. On assemble pour que ce soit une double épaisseur. Ah, et ça fait la poche et ça protège doublement. Voilà, ça fait la poche. Oh, bah, super. Ça, c'est un chouette modèle. Bah, bravo. Hein. Bah, bonne continuation. Merci. Allez, on les laisse bosser et puis à bientôt. Hein. Ciao. À bientôt.